Salut à tous les amis et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val et je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de The First Day. Salut First, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va nickel, j'espère que vous allez bien les gens, vous aussi. Nous sommes là aujourd'hui dans cette vidéo pour analyser image par image tous les screenshots de gameplay qu'on a pu recevoir sur le prochain Assassin's Creed Valhalla. Et donc du coup les gens, bah on vous balance l'intro et puis bah on se retrouve pour l'analyse juste après. Du coup, on va se splitter les images en deux, donc on vous fera une image sur deux, je vais vous faire la première, Val la deuxième, puis moi la troisième, etc. Et au total, on a 7 images à vous décortiquer aujourd'hui, donc Val, t'es prêt ? Oui. Et bah c'est parti, on commence avec cette première image qui nous a été dévoilée hier dans la journée. On peut voir du coup le personnage principal, Ivor, et beaucoup de personnes pensaient qu'il n'avait pas de capuche, mais regardez bien à l'arrière de sa tête, on voit bel et bien que sa capuche a été rabaissée sur sa tenue, donc ne vous en faites pas, on aura bel et bien capuche et lame, cloquette assassin pour ce qui est de la tenue, et on ne peut plus présent. Ensuite, en plus de ça, on peut voir que du coup, le personnage est accompagné de deux autres personnages et qu'il se trouve à l'intérieur d'une église. Donc c'est une scène qui se déroule déjà en Angleterre, puisque ce style d'architecture n'est pas un style d'architecture qu'on retrouve forcément en Norvège. On peut aussi voir que la personne située en face de Ivor a une dague sur lui ainsi qu'une hache. Donc on a déjà, on va dire, la révélation de deux types d'armes qui seront présentes dans le jeu. Après, est-ce que Ivor pourra s'en servir lui? On ne sait pas encore, mais c'est déjà deux types d'armes différentes, donc c'est déjà pas mal à prendre. On voit sur la tête de Ivor du coup qu'il a un tatouage. Si vous regardez bien ce tatouage, c'est exactement la même chose qu'on trouve à la fois sur le bouclier et sur le mât du drakkar d'Ivor. Si vous regardez bien au niveau de la ceinture, je sais pas si t'avais remarqué Val, mais au niveau de la ceinture d'Ivor, eh bien on voit un symbole de la culture viking qui représente Vegvisir, je pense que ça se prononce comme ça, et ce symbole a une portée magique qui est censée aider le porteur à trouver son chemin à travers les intempéries, donc ce qui va totalement avec le fait que le jeu serait censé être plus poussé niveau exploration. Et pour terminer avec cette première image, vous pouvez voir que les deux personnes qui sont avec Ivor, et bah tout simplement ils ont une capuche, donc sont-ce des membres des Hidden Ones, donc ceux qu'on ne voit pas, ou alors sont juste des personnages lambda que l'on rencontrera comme ça? Bah on verra ça à la sortie du jeu en fin d'année 2020. Alors sur cette seconde image, on voit très clairement le drakkar et la version féminine d'Ivor qui est aux commandes du drakkar. On peut voir qu'elle a exactement le même tatouage sur le crâne que la version masculine, mais faut pas oublier qu'on pourra les choisir, donc ça veut absolument rien dire. 8 autres vikings sont avec elle, ce qui va avec le fait que 8 vikings pourront nous accompagner pour faire des raids. Il semblerait qu'ils sont en train d'attaquer un fort ennemi que l'on peut voir au sommet de ce rocher. Il y aurait toujours la présence d'alarme dans les forts avec de la fumée qu'on voit s'échapper au sommet de cette tour en bois. Sur l'image, on a toujours la présence du corbeau qui remplacera l'aigle et qui sera entièrement personnalisable. Sur les drapeaux du château, on retrouve exactement le même symbole qui est présent sur la ceinture d'Eivor. Donc peut-être que le fort a déjà été conquis par le clan des vikings d'Eivor. Ensuite, on passe à la troisième image. Donc sur cette troisième image, on voit Eivor, la version féminine, qui s'approche du coup d'un village qui a l'air d'avoir été totalement pillé et détruit parce qu'on a pas mal de ruines. On peut voir du coup que le bouclier dans le dos de Ivor est usagé. Alors est-ce que ça signifie un système de durabilité des armes, ou alors juste que cette usure est là pour donner un certain style à cette arme? On ne le sait pas encore. On voit que Ivor porte sur lui du coup un bouclier ainsi que deux haches, et j'arrive pas à voir si c'est un ou deux arcs. Si c'est un seul arc, c'est un arc qui a une forme plutôt particulière, et sachant qu'on pourra se battre qu'avec deux objets maximum, est-ce que ça veut pas dire que lorsque l'on partira de son village, Ivor ne devra pas faire le choix entre prendre certains types d'armes seulement pour ne pas être une machine de guerre et avoir tout son arsenal sur lui? Ensuite, on peut voir tout au fond sur la droite du personnage, un village qui a pas encore l'air d'avoir été détruit parce qu'il a l'air d'être entièrement encore reconstruit. Juste en face de notre personnage, on voit une tour qui est en ruine, mais bon, c'est un truc qui est détruit depuis un bon bout de temps parce qu'on a pas mal de verdure qui s'est installée dessus. Mais on peut voir aussi que c'est éventuellement un point de synchronisation, puisqu'on a une branche très épaisse qui en ressort, et c'est un truc qui est vraiment symbole des points de synchronisation dans la licence Assassin's Creed. En contrebas, on peut voir une maison qui a été détruite ainsi qu'une église et quelques petits villages aux alentours. Et petit détail qui aura son importance dans la suite, je vais pas encore vous dire tout de suite ce que c'est, mais si vous regardez bien entre la hache et le bouclier, vous pouvez voir une corde qui est emmêlée ainsi qu'un petit morceau de bois. Et donc si vous voulez savoir ce qu'est cet objet, et ben on se retrouve dans deux images. Sur cette quatrième image, on voit clairement un village viking. Après, est-ce que c'est un village lambda en Norvège, ou alors est-ce que c'est le village qu'on va devoir gérer en Angleterre? Ça, on sait pas encore. On peut remarquer que tous les PNJ sont des adultes ici et qu'on a la présence d'animaux domestiques, puisqu'on voit un chat au premier plan. On peut voir un forgeron qui est le bâtiment du milieu. On sait que c'en est un vu le logo sur la pancarte. Le gros bâtiment, quant à lui, doit être la maison du Jarl, c'était des sortes de contes à l'époque des Vikings.
tous les bâtiments ont l'air d'avoir une ouverture pour entrer dedans. Alors après, est-ce que tous les bâtiments vont être ouverts comme dans Unity, enfin en tout cas la majorité des bâtiments, ou alors est-ce que ça va être certains bâtiments qui seront ouverts comme dans Assassin's Creed Origins, ça on ne sait pas encore non plus. En plus de Drakkar, il y aurait des barques, on en voit deux au niveau du ponton. Ensuite passons à la cinquième image. Donc sur cette image, c'est la première fois qu'on voit un paysage enneigé depuis le début de ces images, donc les premières images qui sont apparues sur Assassin's Creed Valhalla. La première chose qu'on voit déjà, c'est que l'ennemi a une tenue d'une couleur différente de celle des autres ennemis, comme vous le verrez dans l'image suivante. Celle-ci est de couleur jaune, et on est en Norvège, on s'en doute, vu la neige et l'architecture du bâtiment du coup juste derrière l'ennemi. Donc se peut-il qu'il y ait des ennemis hostiles en Norvège, ou alors est-ce que c'est des anglo-saxons qui sont venus se venger? On sait pas, on verra ça dans le jeu. On a un visu direct du coup sur l'objet dont je vous parlais il y a deux images avec les cordes enroulées. Là on voit clairement que c'est un grappin qui nous facilitera l'escalade, je pense, au niveau des pentes rocheuses et tout ce genre de choses. Ici on voit qu'on n'a pas de bouclier, donc il y aura la possibilité de l'équiper ou non, pas comme dans Origins où c'était obligatoire. Donc pour ceux qui n'aiment pas jouer avec un bouclier, bah du coup ça les rend plus légers, et peut-être qu'on aura un système du coup de lourdeur du personnage qui se déplacera plus ou moins facilement en fonction du poids qu'il aura sur lui. Et on voit qu'il a deux haches dans la main, notre Eivor, donc une dans la main droite et une dans la main gauche. Mais on peut voir également que en dessous de sa cape, dans son dos, il a une autre petite hache, donc peut-être éventuellement la présente de hache de lancer dans le jeu pour remplacer éventuellement les couteaux de lancer. Sur cette image, on voit le héros qui souffle dans une corne, c'est peut-être pour lancer les raids ou appeler ses alliés en renfort lors des combats. On aperçoit ici des ennemis anglais qui ont une tenue rouge, ils sont peut-être du Wessex, mais on n'a pas réussi à retrouver leur blason. On peut observer quatre types d'ennemis différents. Tout à gauche, un ennemi lourd avec une épée longue, à côté de lui sur la droite, un ennemi plutôt défensif avec un bouclier, tout à droite de lui, un ennemi plutôt léger avec une espèce de dague, hein, une lame courte, et encore à droite, un archer. Sur cette image, on se trouve clairement pendant un raid, il y a les bâtiments en feu. Alors, les bâtiments en feu, est-ce que c'est scripté? On sait pas, ou alors est-ce qu'on pourra même carrément les cramer de nous-mêmes? C'est peut-être une technologie qui sera possible avec l'arrivée des nouvelles générations. Sur la fenêtre tout à gauche, si vous regardez bien, alors il faut beaucoup zoomer dans l'image, mais on a trois lettres qui apparaissent, les lettres DIP. Alors soit c'est un motif qui est non terminé, et du coup il y a les lettres qui apparaissent, mais c'est pas du tout voulu, ou alors c'est tout simplement un bug de texture. Au niveau du blason, donc sur le drapeau et le bouclier, on n'a pas vraiment retrouvé l'origine exacte du blason. Ça se trouve c'est un blason qu'ils ont créé eux-mêmes Ubisoft, mais peut-être qu'il s'inspire de celui d'Edouard le Confesseur. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas le blason d'Alfred le Grand. En tout cas, on n'a rien trouvé de similaire en faisant des recherches. Par contre, du coup, le blason d'Alfred, on peut l'apercevoir sur cet artwork. Et pour terminer, on passe à la dernière image, donc deuxième image enneigée avec des aurores boréales. Donc quant à la localisation du lieu, on est bel et bien en Norvège et non en Angleterre. On aura toujours le droit aux torches comme c'était le cas avec Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey pour éclairer les endroits sombres ou peut-être cramer du serpent, on ne sait pas encore. On voit que l'arme du personnage est sortie et posée sur son épaule, alors peut-être éventuellement qu'on pourra la sortir n'importe quand et qu'elle se rangera pas automatiquement comme ce fut le cas dans les précédents opus. Au loin, enfin je dis au loin, c'est pas si loin que ça, mais on voit un temple et c'est très clairement un temple vikings. Et pas n'importe lequel, parce que si vous regardez bien, on voit des statues scandinaves, une sur la droite du personnage et une devant le temple, et on peut donc en déduire que c'est un temple dédié à Thor, étant donné que les statues portent sur elles ce qui semblerait être Mjolnir, le fameux marteau. Et on peut voir au-dessus du temple le corbeau qui remplacera l'aigle comme on l'a vu dans une précédente image, et du coup il tournera autour de nous comme le faisaient Senou et Icaros dans Origins et Odyssey. Et ben c'est tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui pour cette analyse d'image. Ce qui est sûr, c'est que dans les jours et les semaines à venir, nous aurons d'autres contenus, étant donné que le 7 mai nous aurons le droit à un gameplay sur le prochain Assassin's Creed. C'est cadeau, c'est de notre part, c'est gratuit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Ça encourage, ça fait plaisir et c'est super sympa de votre part. C'était The First Day Eval. Salut à tous. En direct de la Assassin's Experience. Paix et sérénité.